Une chose importante à mentionner quand on fait comme ça des, des laïus sur la situation, le futur de la vie sur la terre, il y a, un, il y a deux éléments qu'il faut conserver et qui sont un petit peu contradictoires, mais il faut essayer d'intégrer les contradictions. Le premier élément, c'est de dire exactement ce qui en est, c'est-à-dire de dire la situation est grave. L'avenir est loin d'être certain, est loin d'être prometteur. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés. Mais en même temps, il faut ne pas, comme on disait, désespérer bien court quand on parlait de. C'est-à-dire, il ne faut pas amener une attitude défaitiste. Il ne faut pas une, amener une attitude du genre, c'est foutu, et puis moi je tire mon épingle du jeu. Ça c'est le grand danger aujourd'hui, c'est-à-dire je pense à autre chose, je veux rien savoir. Cette attitude, je veux rien savoir, ça c'est l'autre aspect, c'est l'autre versant. Il faut à la fois être très net, très clair, très à la hauteur de la situation, mais en même temps préserver les éléments qui peuvent donner de l'espoir. Et la meilleure preuve, et c'est celle qu'il faut donner, c'est qu'il se fait en ce moment des choses Très valable, très importante et qui porte qui qui un espoir. Nous ne sommes pas dans une situation désespérée, loin de là. J'aime bien rappeler que ce problème que nous rencontrons, ce problème de l'environnement, ce problème de l'écologie, ce problème du comportement des êtres humains par rapport à la nature, ce comportement millénaire, saccageur et tout cela, ça fait plus d'un siècle et demi que la réaction a commencé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça commence vers les 1875, les premiers moments où des êtres humains décident de faire quelque chose. Bien sûr, depuis longtemps, on déplore ces choses-là. Même Pythagore déplorait le comportement de ses, ses confrères par rapport aux animaux et tout cela. Mais le moment, à ma connaissance historiquement, où des gens disent ⁇ ça ne suffit pas de déplorer ⁇ même si à cette époque, la situation n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Mais l'important, c'est cette réaction de dire, nous nous comportons très mal, nous les êtres humains, par rapport à la nature, par rapport aux animaux. C'est la grande période où on massacrait les, les dernières baleines, on avait tué 60 millions de bisons euh, aux États-Unis. Il y a ce moment où des êtres humains en Californie disent, on fait quelque chose, on se regroupe. C'est les premiers parcs nationaux, c'est Yosemite, c'est Yellowstone, c'est M. John Muir. J'aime bien parler de John Muir parce qu'il a joué un rôle important. C'est un de ceux qui ont dit on fait quelque chose, on fait, des, fait faire des législations, on met la pression sur nos gouvernements pour faire quelque chose. Et depuis ce temps, il y a des quantités de progrès qui s'appellent, par exemple, les grandes conférences Rio, Copenhague ou autres, qui, bien sûr, sont, sont restées assez décevantes dans leurs résultats, mais qui ont eu un impact très important dans le sens que c'est elles qui ont mis sur le marché les mots écologie, environnement. Avant Rio, personne ne connaissait ou ne savait dans le public qu'est-ce que c'est que l'écologie. Il y a un problème d'écologie, on n'en savait rien. Avant Copenhague, on connaissait et Nagoya, on connaissait pas biodiversité. Tout ça sont apparus. Donc, ce que j'aime bien mettre en évidence, c'est que nous sommes dans un double mouvement de deux puissances qui s'affrontent, une puissance de détérioration qui continue et qui est un, non seulement qui continue, mais qui s'accroît, qui prend de la puissance. Par exemple, nous savons qu'il faut réduire les émission, émissions de gaz carbonique de, 40, de 60 à 80 pour stabiliser la température. Qu'est-ce qu'on fait tous les ans? L'an an dernier, on l'a encore augmenté de 3 La déforestation se poursuit pas tellement dans nos pays tempérés, mais au Congo, en Indonésie, euh, en Amazonie, la, la pollution et tout cela, ça continue. Mais en même temps, il y a cette prise de conscience qui est globale, c'est peut-être un peu optimiste, mais quand même qui est de plus en plus généralisée, et où on voit, par exemple, en France, moi je vais souvent dans les différentes municipalités, les villes aujourd'hui, les municipalités sont les hauts lieux de la défense de l'environnement. C'est là qu'on interdit les pesticides, c'est là qu'on mesure les entrants chimiques, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se font et on sent qu'il y a une volonté de plus en plus manifeste qui est à la fois très positive mais aussi très tonique. Quand les gens ont l'impression qu'il se fait quelque chose, ils sont plus prêts mentalement, psychologiquement, à faire quelque chose eux-mêmes. Il y a cette, euh, on voit qu'on va vers quelque chose de différent. La vie va changer de façon importante parce qu'il y a des limites qu'on est en train de dépasser. Et par exemple, l'énergie. L'énergie, nous savons aujourd'hui que nous doublons à l'échelle mondiale la quantité d'énergie que nous utilisons à tous les 25 ans. Il est évident que ça, quand vous avez une exponentielle contre une constante, il n'y a pas de réponse. Donc, il y a cette prise de conscience que la vie va profondément changer. Notre mode de vie, il faut se préparer à ce changement. Aujourd'hui, on dit que chaque personne, par exemple, si on compare avec l'Empire romain, qui avait des esclaves, mais pas d'électricité, de charbon et de pétrole, et nous, chacun d'entre nous utilise... La puissance équivalente à 200 esclaves à plein temps, avec nos voitures, tout cela. Donc c'est évident que ça va diminuer et qu'on va retrouver des modes de vie beaucoup plus frustes, austères, disons plutôt que frustes, et que ça, il faut s'habituer. Et ça, on n'y arrive pas vraiment. Pourquoi on n'y arrive pas Parce qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire, pas d'ascenseur, tout ce que vous pouvez imaginer qui, qui, va, qui va changer. Moi, je crois qu'on peut y arriver. Les êtres humains, ils, vont, vont, ils peuvent y arriver. Ça va être un changement majeur, ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans 50 ans ou dans 100 ans, s'il y a encore des humains sont sur la Terre, ce que j'espère, ils vont avoir un mode de vie qui va être très différent de celui d'aujourd'hui. On ne prendra pas l'avion pour un oui ou pour un non pour aller aux États-Unis, pour aller un peu partout. On va retourner à des modes qui sont plus innovants dans un sens il y a des aspects très positifs là il y a le retour à la créativité on voit un peu partout des idées qui sont lancées pour faire ceci pour faire cela les jardins en ville par exemple les murs végétalisés tout ça ça va être un énorme effort mais je crois que les humains peuvent y arriver à une condition à une condition alors là j'aime citer une phrase de Jean Monnet: qui, dans les années 1950, quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste par rapport à, à l'Europe, est-ce que les Allemands pourraient un jour s'entendre avec les Français La plupart des gens pensaient que non, c'était foutu. Jean Monnet avait cette réponse qui me paraît très importante de revenir aujourd'hui. C'est l'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'il faut faire. Quoi qu'il arrive, que peut-être ça donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. Donc il y a une attitude volontaire, à mon avis, de volontaristement optimiste, de dire je vais continuer à faire ce que je pense qu'il faut faire et adopter une attitude qui moi me rappelle Churchill. Eh bien, je crois que cette détermination, c'est ce qu'il faut changer dans nos attitudes. Double aspect, être conscient de ce qui se passe, ne pas se cacher la tête dans le sable comme les autruches proverbiales. Il faut savoir ce qui en est, il faut savoir tous les problèmes que représentent la pollution, l'énergie, la biodiversité. Alors que la population continue d'augmenter, la nourriture, les papillons, les oiseaux, euh, les insectes qui pollinisent, tout ça est en, est en diminution rapide. Vous voyez, dis, il y a deux forces, une qui est, de détérioration qui s'accentue, une force de restauration qui, elle aussi, prend de la puissance. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme quelque chose qui est une défaite, il faut voir ça comme un conflit. Nous sommes dans un combat majeur entre deux forces qui sont, chacune de leur côté, de plus en plus puissantes. Et je crois que l'attitude qu'il va falloir adopter, si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut changer, c'est passer de la vitesse, passer une nouvelle vitesse. Qui est une vitesse de combat, de dire nous sommes dans une lutte majeure. Toute l'humanité, les décisions qui vont être prises prochainement, peut-être simplement en décembre à, à la COP, vont influencer la vie des humains pendant des siècles. Donc il faut être conscient de cela. Nous sommes dans un, une nécessité d'avoir une, une attitude, de, 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 pas le mot agressif, mais en tout cas, décider. Très à la Churchill, c'est non. Ce, ce conflit, ce, ce, cette bataille est une bataille qui a une dimension collective, qui doit être menée ensemble et c'est peut-être un côté positif. Quand le bateau coule, les matelots cessent de se disputer et viennent ensemble. Et je crois que ça pourrait à long terme avoir un effet très bénéfique sur tous ces côtés de racisme, de, de tout ce qui a été le propre de l'humanité depuis toujours, d'identité en conflit avec les autres. Je crois qu'il y, y aura vraisemblablement des aspects positifs pour cette très grande tâche qui est la nôtre, qui est d'humaniser l'humanité, qui est dans le fond ce qui, ce qui est le plus important aujourd'hui. Une plus grande solidarité pourrait naître du fait que le danger est commun à tous, et que nous sommes tous dans le même bateau, et que ce bateau est en très mauvaise posture, et que quand les marins sentent que le bateau est en train de couler, ils cessent de se détester, de se battre, de se disputer, et ils s'unissent et se forment une solidarité. On la voit même, par exemple, quand il y a des grèves et que les gens sont, sur, euh, sont à pied, les gens se parlent, les gens, ils se créent toujours une solidarité. Dans, quand il y a des conflits, des défis importants, pas pour, euh, pour l'avenir, des dangers, on voit, on voit renaître ces sentiments humains qui sont souvent au meilleur. On voit comment les humains souvent tirent le meilleur d'eux-mêmes. Leurs meilleurs anges, vous savez, comme l'expression de Washington, leurs meilleurs anges apparaissent quand il y a un danger commun et que chacun est obligé de s'unir et de dire, on arrête de se disputer, on se met ensemble. Et à cela s'ajoute, alors j'aime bien la, la, la fable du colibri que vous connaissez sans doute, ce petit colibri qui, c'est un grand feu de forêt, il y a des voitures, des pompiers, tout ça, et, et des avions, et puis il y a un petit colibri qui va prendre une goutte d'eau dans un ruisseau et qui vient la déposer sur l'incendie. Et les gens lui disent, mais ben, t'as quoi T'as l'air avec ta goutte d'eau. c'est... Ben, il dit, ben, je fais ma part. Ça, c'est l'élément important. L'élément important, c'est souvent ce qu'on fait, ça a l'air de rien. On se dit, c'est ridicule, le feu est si puissant, qu'est-ce que je peux faire Eh bien non, avoir cette attitude de dire, je le fais. C'est passer d'une attitude de... Je veux dire, euh, social ou euh, entre les nations, a une attitude de guerre. Nous sommes dans une guerre. Nous menons une guerre. Je ne sais pas qui disait cette jolie phrase. Nous menons une guerre contre la nature, avec les insecticides, avec la déforestation. Si nous gagnons, nous sommes perdus. J'aime bien se ce résumer. C'est pas si nous gagnons, nous nous perdons. C'est si nous gagnons, nous sommes perdus. C'est une étape de plus. Perdre, c'est une chose. Être perdu, c'est l'étape suivante. Et cette prise de conscience qu'il faut vraiment passer à une attitude d'une extrême lucidité par rapport à tout cela et d'une extrême décision, sinon on ne s'en tirera pas. Je crois que c'est qu'à ce titre d'une décision déterminée à la Churchill que nous pourrons nous en tirer. On a découvert que dominer la nature dans le sens où on le disait, c'est-à-dire couper les forêts le plus vite possible, ce n'est pas une solution. Il faut former ce qu'on appelle un humanisme élargi. La notion d'humanisme doit comprendre tous les animaux, toutes les plantes, toute la nature. On ne peut pas se considérer, nous les humains, comme les maîtres et. Et Seigneur est dominant parce qu'on sait, on l'a appris, on le voit sous nos yeux, que c'est ça qui nous mène à la catastrophe. Tant qu'on n'est pas conscient de tout ce que l'on reçoit de toute la biodiversité des plantes et des animaux et qu'on n'en prend pas soin en arrêtant, par exemple, de verser des pesticides qui éliminent les papillons qui sont des, les pollinisateurs, voyez, c'est tout ça fait effet domino. Vous touchez à une chose, vous, ça, ça en débloque une autre, etc. Donc c'est ça qui est le message aujourd'hui. On ne peut plus considérer comme l'humain étant le top de l'échelle, celui ouais, auquel tout est dû, mm -hmm. le message de, de la Bible. On, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça nous amène dans le mur.